Bonsoir, l'antenne d'Europe 1 est ouverte jusqu'à 1h pour que vous puissiez prendre la parole comme chaque soir et dialoguer entre vous en appelant le 39-21 où vous attendent Clémence et Assiba ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr et nous envoyer également des messages au 72121, code nuit. Après l'émission, vous retrouverez un livre pour la nuit. Vous savez que depuis un an, Europe 1 vous propose un rendez-vous unique en radio chaque mois. Alors cette nuit, c'est la lecture d'un classique de la littérature anglo-saxonne, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et vous retrouverez cela à partir d'une heure jusqu'à 4h30. Mais jusque-là, c'est jusqu'avant une heure, c'est vous que l'on va entendre. 39-21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu émue et de plus, ce que j'ai à vous avouer n'est pas tellement glorieux. Voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui, voilà. Vous êtes un peu tourmentée ce soir. En fin de journée, je suis allée faire des courses et j'ai commis un petit larcin. Mmh. Voilà, j'ai dérobé, volé, n'ayons pas peur du terme, un produit cosmétique. Oui. Pas cher au demeurant, 10 euros. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la première fois. J'étais devant ce truc que je trouvais joli. Oui. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dérobé. J'ai été suivie par une personne de la sécurité qui, après j'ai acheté plein d'autres produits, bien sûr. Et après avoir passé la caisse, l'agent de sécurité, un grand monsieur bien baraqué, m'a interpellée. Oui. Et m'a emmenée dans les bureaux. Et m'a dit, vous savez pourquoi ? J'ai dit, oui, bien sûr, je n'ai pas cherché à nier. Mm. C'était l'évidence. Il m'a demandé ma carte d'identité, que je n'ai pas pu lui donner, puisque je n'avais pas mes papiers sur moi. Je n'avais qu'un porte-monnaie avec ma carte bleue pour le paiement de mes achats. Oui. Donc, il m'a menacé de faire venir la police. Oui, je n'ai pas mis d'objection, mais il ne l'a pas fait. Et j'ai dit, devant l'évidence, j'ai dit, je suis désolée, j'étais envahie par un sentiment de honte. Je dis, je le paie, ce produit. Oui. Oui, d'accord, de toute façon vous allez le payer, mais ça va pas se passer comme ça, d'accord. Donc il voulait absolument mon identité. Je lui ai vidé mes poches devant lui. Oui. Je dis, je suis désolée, je n'ai pas mon identité. Il m'a donc fait payer l'objet et m'a demandé de venir demain avec ma carte d'identité. Ce que j'ai bien sûr, mais voulait que je lui laisse quelque chose de coûteux pour en gage, en fait. Je lui dis, je n'ai rien,
Je n'avais rien puisque je n'avais que mon porte-monnaie avec ma carte bleue. Et il me dit, bah, laissez-moi votre carte bleue. J'ai refusé. Ah non, non, oui, j'ai non, refusé non, de ouais. lui donner. J'ai, non, non, on ne laisse pas une carte, on laisse carte pas une carte de crédit, non. Non, non. Oui, 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 j'ai hors de question que je vous la laisse. Mm. Il me dit, bah, c'est, elle restera au magasin. Non, non, non. J'ai dit, mais non, non, monsieur, je ne vous donnerai pas ma carte bleue. Mm. Je suis désolée. Donc, il est évident que je n'ai pas à commettre ce vol. Oui, c'est... non, mais ça, c'est certain. Mais pour autant, on ne laisse pas une carte de crédit. Voilà. Donc, mais je voudrais... Bon, au-delà du vol, oui. J'ai payé. Oui. J'ai payé l'objet. Oui. Donc, je voudrais savoir, Eda, ce que vous pensez de cette pulsion que j'ai eue. Mm. Et de deux... est-ce que vous pourriez m'indiquer quel est son droit ? Est-ce qu'il a le droit, enfin, est-ce qu'il peut exiger de connaître mon identité ? Et comme il me l'a demandé, est-ce que je dois aller pour lui donner et révéler mon identité demain ? Bah, écoutez, je ne suis pas juriste. Donc ben je peux pas ça, vous je peux pas oui. vous peut-être alors en revanche il y a des parmi nos auditeurs hein, il y a souvent il y a toutes sortes de professions qui nous écoutent et qui pourraient peut-être répondre à justement à votre interrogation mais en même temps j'ai envie de vous dire Agathe aujourd'hui vous êtes acquittée de votre dette. Oui. Vous avez réglé le produit que vous aviez dérobé. Enfin, vous imaginez bien que je pense qu'il serait lui-même très surpris de vous voir revenir demain et de vous présenter. Vous seriez, enfin, c'est là, vous seriez très 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 honnête. C'est non, mais pour le coup, vous voyez, on voit bien que vous n'avez pas l'habitude. De commettre ce genre d'acte pour vous poser ce genre de questions parce que vous seriez une habituée, vous vous poseriez même pas ce genre de questions, vous seriez soulagée de vous en être tirée de cette façon-là voilà, vous appelleriez même pas pour poser ce genre de questions. Une fois que vous avez franchi la porte du magasin en payant ce que vous aviez dérobé, c'est fini et lui-même à mon avis ne s'attend pas à vous revoir. Alors il m'a menacé, il m'a dit je vous préviens, si vous n'êtes pas là, alors comme je travaille, je dis bon je viendrai entre midi et deux, je vous préviens, si à 2 heures je ne vous ai pas vu, j'appelle la police. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il va dire à la police ? Qu'est-ce qu'il va faire contre vous puisqu'il n'a pas votre identité ? On a les films, vidéos, on vous reconnaîtra. Oh non, là il va trop loin. Mais alors puis il essayait. Oui, il vous a menacé. Bon, il vous a menacé, ce qui est dans. Il était seul ? Il n'y avait pas le directeur du magasin ? Oui, il était seul. Oui. Après, il a appelé une dame qui m'a demandé de vider mes poches. Alors, je crois avoir entendu un jour qu'ils n'ont pas le droit de faire de fouilles corporelles. Alors, j'ai vidé mes poches devant cette dame. J'avais que mon téléphone et mes clés et mon porte-monnaie. Et elle n'a pas posé les mains sur moi. Elle m'a seulement demandé si j'avais une pièce d'identité. Et ce à quoi j'ai répondu la même chose qu'à l'agent de sécurité. Mais je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire de fouilles. Enfin, je pense pas. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un d'habilité. Non, je pense qu'il cherche à vous intimider, à vous menacer, à vous sermonner. Il est dans le cadre de son travail. On sait que les vols pour les supermarchés, la grande distribution, représentent une part très importante de pertes, au quotidien. C'est vraiment pas négligeable, hein. Donc oui, bon, il est dans son travail, qu'il ait pu penser que vous, au départ, que vous dissimuliez avoir vos papiers, c'est une chose. Hein, il pouvait penser que vous n'étiez pas de bonne foi et que vous lui disiez ne pas avoir vos papiers sur vous. C'est la première chose qu'il est censé vous demander. Quelle est votre identité ? Mais je pense, je ne voudrais pas trop m'avancer, à partir du moment où vous avez réglé ce produit, bien écoutez, de deux choses l'une. À ce moment-là, il pouvait soit, comme il vous l'a dit, faire venir la police. Il vous laisse, mais ça dépend, je pense, du montant aussi dérobé. Je sais
pas. Ou alors, du directeur, enfin de la politique qui est mis en place. Oui, bon, là, c'était 10 euros. Bon, il décide de ne pas faire venir la police. Il vous dit, bon, vous réglez. Il se trouve que vous pouviez le faire. Donc, oui, si vous n'aviez pas pu régler, il aurait fait venir la police. Mm-hmm. Il se trouve que vous pouviez régler. Donc, vous réglez. À partir du moment où vous réglez, il vous laisse repartir. Donc, après, vous dire, vous devez venir demain, sinon, je préviens la police. Non, là, on est dans, je pense, de l'intimidation. C'est payé. Vous voyez, je reçois des messages. Il y a Guy qui envoie un message au 72121 qui dit non, c'est payé, c'est terminé. Il y a Lisa qui dit cette dame a payé, pas besoin d'aller dans la gueule du loup. Coco dit vous avez payé, c'est de l'acharnement ce qu'il demande. Corinne dit bah vous avez payé, vous n'y retournez pas. Bah, enfin. Ah, on a la police avec nous. Ah, c'est vrai. Bon, Agathe, décidément, voilà, vous ne l'avez pas eu en direct, ne craignez rien. Hein, elle est avec nous au téléphone. On va demander l'indulgence, mais voilà, c'est important. Bonsoir, Francis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes policier. Hein. Voilà. Donc, alors, c'est important. Voilà. Donc, bon, le cas, je vous remercie d'appeler parce qu'on aura comme ça comment procéder, savoir ce qu'il en est. Vous avez déjà répondu, en fait, à la question. Dans ce cas de figure, il y a deux solutions. Ou bien le magasin, pour diverses raisons, considère qu'il doit déposer plainte. Et à ce moment-là, il est fait appel au service de police. Mais ça, c'est une procédure tout à fait exceptionnelle. Dans l'immense majorité des cas, il y a ce qu'on appelle une transaction, on va dire, à l'amiable. Et dans la mesure où la personne est en mesure de régler le montant de sa dette, on considère que l'incident est clos. Il n'y a évidemment pas de dépôt de plainte. Et ensuite, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à présenter de papier ultérieurement. Voilà, donc votre auditrice peut être entièrement rassurée. Simplement, il faut, je pense qu'on lui a remis le ticket qui fait office de justificatif du règlement de l'achat litigieux. Tout à fait. Voilà, dès lors que vous êtes en possession de ce justificatif, il n'y a plus aucun problème. Et l'attitude de cette personne qui souhaitait garder un objet de valeur, une carte bleue, est totalement illégale. Ah, vous confirmez ça ? Non, absolument, absolument. Oui. C'est une démarche totalement illégale. Et bon, alors, je pense l'incident est clos, il n'y a pas lieu d'aller plus loin, mais si les gens qui nous écoutent sont un jour confrontés à ce problème-là, il y a deux cas de figure où la police intervient, il y a un dépôt de plainte, où l'affaire est réglée sur place, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'affaire. Voilà. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie, Francis, parce que c'est très clair, c'est très précis. Voilà. Et c'est important de le savoir pour ne pas être victime d'abus. Les vigiles de magasins, bon, sont là, ils ont un rôle à jouer, ils sont indispensables. Ils sont là pour ils ont constaté l'infraction, ils sont là pour retenir la personne dans un local adapté. Et là, l'affaire, je vous dis, il y a deux solutions. Ou bien la police intervient, il y a une plainte, le magasin dépose plainte à ce moment-là. Mm-hmm. La personne est amenée au poste, est entendue, et puis voilà. Mais ça, je vous dis, ça ne concerne vraiment que cas de récidive ou de vol important. D'accord. Oui. Y a-t-il une somme minima pour... Non, il n'y a pas de somme. Un vol est un vol, on peut... Oui, tout à fait. Voilà, bon, après, oui. Évidemment, au niveau du parquet, les choses sont traitées différemment. Vous n'allez pas être mise... en prison pour le vol d'un paquet de yaourt, enfin, ou de choses comme ça. Mais voilà, le vol... Oui, c'est un vol, voilà. Oui, bien sûr. Et par rapport au fait qu'Agathe disait que, bon, on ne l'a pas fouillé, un vigile n'est pas habilité à fouiller. Non. La fouille au corps est particulièrement réglementée. Mm-hmm. Dans ce cas-là, elle n'a aucune justification et elle ne peut l'être que par des agents dûment habilités. Et dans la mesure où il s'agissait d'une personne de sexe féminin, si fouille il doit y avoir, elle doit se faire par du personnel féminin. D'accord. Voilà. Mais du personnel de police. De police, voilà. D'accord. Entendons-nous bien, voilà. D'accord. Mais un vigile peut fouiller dans le sac à main, évidemment. Voilà, attention. Non. Oui. Non.
Non, le vigile ne peut fouiller, ne peut rien fouiller du tout. Oui. Il est là pour retenir la personne en attendant l'intervention de la police s'il y a une plainte, c'est tout. Les fouilles, on ne fouille pas, on ne va pas fouiller ni dans une voiture, ni dans un sac, ni rien. Si, voilà, si vous consentez à ouvrir votre sac, que la personne jette un coup d'œil à l'intérieur, ça c'est une chose. Mais, oui. Mais de force, par la contrainte, en aucun cas. Ah d'accord, oui, ça je pensais que, vous voyez, j'aurais appris quelque chose, je pensais que, c'est vrai qu'ils regardent, ça c'est normal à l'entrée des magasins, mais ça ils ont le droit, ça c'est autre chose. Mais fouiller, c'est non pas le droit. Vous entrez dans un magasin, vous ouvrez votre sac, oui. La personne regarde, elle peut passer sa main, regarder. Si vous refusez d'ouvrir votre sac, à ce moment-là, elle peut vous interdire l'entrée du magasin. Oui, bien sûr, oui. D'accord, mais ensuite, pour ce qui est de la fouille du sac, dans le cadre d'un vol supposé ou réel, ça c'est autre chose. Bon, écoutez, d'ailleurs il y a André qui a appelé aussi le 3921, qui est commandant de police à la retraite, et voilà. Qui confirme effectivement tout vos dires, hein, Francis, qui dit que ce vigile était dans l'illégalité totale, qu'il n'avait pas à demander comme ça la carte de crédit, et que... c'est parfait. C'est parfaitement illégal. Et qu'il ne fallait pas qu'Agathe se laisse intimider. Ah non, voilà. Non. Oui, parce que finalement, vous étiez prête, presque prête à y retourner entre midi et deux. Non, franchement, c'est vrai que j'ai reconnu ce méfait et que je n'étais pas oui, fière ça, de évidemment, moi du tout. Évidemment, ça, mais bon. Mais, il était de très grande corpulence, il devait au moins mesurer 1m90. Je suis assez grande moi-même, mais il était beaucoup plus grand que moi. Et assez fort, je suis sûre qu'il pèse au moins 100 kilos. Donc il était vraiment très impressionnant. Et c'était un noir, une personne de race noire. Il était vraiment très impressionnant. Donc il est bien dans sa situation. Ils sont choisis pour ça aussi, pour intimider, pour impressionner quand même. Oui, en général, on ne met pas un petit gringalet genre haricot vert, parce que c'est fait pour un peu intimider quand même. Tout à fait. Alors il a essayé de me moraliser. Ah ça, il... Je lui ai dit, je reconnais, j'ai fait une faute, mais ne moralisez pas. Oui, mais ça, on comprend. Écoutez-vous, voilà, merci beaucoup, Francis, d'avoir pris la peine d'appeler pour nous donner ces informations importantes et qui peuvent rassurer d'autres personnes et qui, pour autant, évidemment, ne sont pas une incitation au vol. Il est important de le préciser. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Francis. Alors, concernant votre question sur cette pulsion, parlez, parce que finalement la somme était une somme importante, 10 euros. Vous l'avez trouvé joli, vous pouviez payer. C'était un cosmétique. Du maquillage, c'est une palette avec 4 couleurs différentes. Alors pas le design, mais la présentation, j'ai trouvé ça joli. Et je ne m'explique pas maintenant, à l'heure actuelle, je ne m'explique pas ce qui m'a poussée à faire ça. Je ne comprends pas. Oui, et d'ailleurs, vous dites vous-même, quand vous avez appelé, vous avez dit au Sénat que vous avez conscience de ne pas avoir été discrète. Comme si, au fond, il y avait une partie de vous qui savait, qui cherchait inconsciemment à se faire prendre, la main dans le sac, parce que je n'ai pas été discrète, parce que je sais que les antivols sont placés souvent sous les blisters ou dans les ceintures. Donc là, j'ai enlevé le blister, et puis qui était assez bien fixé, donc je l'ai enlevé et puis je l'ai caché dans un autre rayon, et j'étais vraiment bien surveillée puisqu'il a trouvé le blister. Il m'a dit que vous n'êtes pas une pro pendant... vous n'êtes pas une pro du enfin vous oui non, oui non, comme pas si du tout. Non mais comme si parfois effectivement comme si vous, inconsciemment, vous cherchiez presque à vous faire prendre, même malgré ce sentiment de honte. Est-ce que vous avez eu du plaisir au moment où vous l'êtes procuré, Eh ben, je pense que j'aurais eu des plaisirs si je ne m'étais pas fait prendre. Oui, d'accord. C'était peu par, Oui. Mais
sitôt qu'il est venu vers moi et qu'il m'a demandé... Et pourquoi alors, selon vous, en ce moment... Pardon ? Pourquoi, selon vous, en ce moment, vous qui, justement... Enfin, c'est pas en plus... on voit ça parfois au moment de l'adolescence. Vous avez, il y a l'adolescence, il y a un moment hein, qu'elle est oui, derrière vous. Qu'est-ce qui, selon vous... Vous ressentez un peu un vide actuellement, besoin de qu'est-ce qui se passe? Comment vous sentez-vous actuellement, moralement? Ben, j'ai subi, les méfaits d'une dépression pendant l'hiver. Oui. Je suis encore sous antidépresseur, bien que j'ai diminué la dose. Et depuis environ un mois, je vais beaucoup mieux. Je souffrais, dit le psy, et je souffrais d'une d'image narcissique au ras des pâquerettes. Ça c'est mon interprétation, c'est pas la sienne. Et depuis environ un mois, ça va beaucoup mieux. J'ai repris confiance en moi, même au niveau du travail, même la relation avec mon ami. Vous vous sentez pousser des ailes un peu. De confiance, se dire tout va me réussir, même ce oui. délit, je oui. sais pas. Oui. Oui, oui. Vous êtes toujours suivie là actuellement oui, par rapport. Oui. Bah, vous pourrez en parler. Oui. C'est intéressant. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la pulsion. Vous avez raison. D'un petit passage à l'acte. Hein, ben oui. Et qui est intéressant de voir. Sortant de cette dépression, vous vous sentez mieux. Et en même temps, il y a ça. Qu'est-ce qui alors vous le ressentez vous peut-être comme un excès de confiance, comme vous retrouvez de l'énergie, une façon d'attirer l'attention sur vous. Je ne sais pas. J'ignore et j'ai avec un fond de culpabilité qui traîne quand même parce que vous le payez chèrement, je trouve. Au final. Hein, ce que vous vouliez avoir gratuitement, hein, finalement, c'était 10 euros, vous aviez largement de quoi les payer. Oui. Et vous le payez chèrement, vous voyez, au prix d'une honte, d'une culpabilité. Oui, enfin, c'est difficile, vous vous êtes infligé quelque chose de pénible, oui, au fond. Tout à fait. Donc, il y a peut-être quelque chose qui traîne. Ça vaut le coup, puisque vous avez un espace pour en parler. De pouvoir un peu en parler sans le dramatiser mais pour mais comprendre oui, un peu ce qui s'est joué. Je voudrais quand même comprendre, je voudrais savoir. Oui, parce que vous avez peur peut-être que de nouveau vous soyez en proie à une pulsion. Bon, je pense qu'en même temps ce qui s'est joué après vous a sacrément refroidi. Non, enfin bon. Mais je trouve que vous le payez chèrement parce que vous dites il y a eu ce sentiment de honte, de culte. Enfin, c'est pénible ce qui s'est passé après pour vous. Tout à fait. Hein ? C'est un magasin dans lequel vous allez régulièrement ? Oui, tout à fait en plus. Eh oui, c'est embêtant. Donc vous n'allez pas oser y retourner. Mais je sais pas, je me suis posé la question, est-ce que je vais y retourner ? Vous allez attendre un peu. Vous allez mettre une perruque. Vous allez encore attirer plus l'attention sur vous. Il n'est peut-être pas là tous les jours, ce vigile. Ça change. Non, c'est peut-être un petit détail. Je m'habille très, très, très souvent en pantalon. Je oui. suis 99 fois sur 100. Enfin, tout. Oui. Je m'habille pratiquement tout le temps en pantalon. Oui. Aujourd'hui, j'avais mis une jupe. Oui. Donc, oui. Je ne sais pas, je trouvais qu'il faisait beau, oui, enfin, vous étiez... la journée était un peu moins belle, il faisait beau, oui. le printemps, enfin, j'en sais rien, je me sentais, je me sentais légère. Oui, et oui, donc vous vous êtes autorisée comme ça, une petite transgression. Voilà. Hein, dire, allez, hop, je suis au-dessus des lois. Mais transgression que vous avez chèrement payé. Bon, vous n'avez tout pas fini fait. Au poste, mais chèrement payé au niveau de la honte. Ah voilà, oui. C'est pas agréable, c'est pénible. Non, pas du tout. Hein, c'est pas voilà, c'est vous vous êtes infligé quelque chose d'assez pénible au final, je trouve. Alors, bon. Justement, je me dis mais
Pourquoi m'être infligé Oui, ça? oui, oui. Ben c'est, ça sera, vous en parlerez avec votre thérapeute. Hein? Et puis, bon, ben dites-vous, les vigiles, ils sont pas là tous les jours de la semaine. Vous irez faire vos courses maintenant quand il sera pas là jusqu'à ce qu'il vous oublie. Mais méfiez-vous, il risque d'avoir la mémoire. Oui, et puis, dites-vous qu'il ne peut pas vous harceler. Hein? Vous passez aussi, vous dites ça va, quoi. Hein? Vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas parti avec la caisse du magasin. Hein? Oui, ben j'essaye de relativiser. Voilà. Oui, enfin bon, l'acte reste. Ah non, mais d'accord, il s'agit pas mais bon, de. Mais voilà, mais vous en parlerez, vous prendrez le temps, et puis bon, bah, j'imagine que dans les jours qui viennent, quand il sera là, vous n'aurez pas envie d'aller faire vos courses. Mais oui. Bon, hein, vous en parlerez, et puis vous arriverez un peu à prendre du recul. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a refait du bien déjà d'en parler un peu avec nous. Voilà, j'étais impatiente que votre émission commence parce que je vis seule, donc je n'ai pas. Mais oui, c'était un peu pénible de rester voilà. Seule avec ça ce soir. Bon, mais écoutez, pas, on a pu en parler comme ça. Je ne vais pas dormir de la nuit avec. Non, ce serait dommage. Dormez tranquillement, Agathe. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir. Vous êtes, vraiment, c'est un plaisir quotidien de s'endormir à vos côtés. Mais écoutez, je vous ai dormir tranquillement, c'est ce qui compte. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. 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 Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Et on accueille tout de suite Ombeline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Ombeline. Merci de m'accueillir. Je vous avais téléphoné au sortir de l'été dernier. Oui. À propos d'une relation que j'avais depuis 5 ans, une relation qui était la première que j'avais après mon divorce, et j'étais restée assez longtemps seule après mon divorce. Et cette relation, je ne pense pas l'avoir bien menée, enfin menée si c'est le mot, c'est-à-dire que j'ai eu un comportement qui a fait que mon ex-compagnon, l'été dernier, a finalement s'est détourné de moi, alors qu'il était toujours, enfin il montrait qu'il tenait beaucoup à moi, et que mais ce qui le gênait, c'est qu'il avait l'impression que je ne m'engageais pas assez, que finalement je ne lui montrais pas assez que j'avais envie d'être avec lui, et je pense qu'effectivement j'agissais, ou du moins je me disais que j'avais ou je lui disais aussi à lui que je mettais toujours en avant le fait que j'avais une fille et qu'elle passait avant tout. Mais je crois qu'au fond, j'avais peur, finalement, tout bêtement, de m'engager, de prendre des risques. Et donc, l'été dernier, assez soudainement, et ça a été très, très choquant et très violent pour moi, il s'est détourné de moi, et puis je n'ai plus de nouvelles. Et j'ai découvert, finalement, en septembre, qu'il... alors que je croyais qu'il allait mal lui-même pendant l'été, je me disais ben sans doute qu'il est en train de se remettre en question, parce que c'est ce qu'il m'avait laissé penser, qu'il avait besoin de réfléchir, etc. Et j'ai découvert qu'en fait il avait entamé une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Oui, je me souviens de vous, de votre histoire. Oui. Et j'ai passé un très très mauvais été, mais alors l'automne n'a pas été beaucoup mieux. Parce que, évidemment, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait, bien sûr, très, très mal. Et à ce moment-là, bon, on n'avait plus vraiment de contact, ce qui est normal, finalement. Donc, j'ai passé des moments très difficiles, comme on en passe lors d'une rupture. Et je m'en voulais beaucoup. Je culpabilisais énormément en me disant que voilà, encore une fois, j'avais tout gâché. Je ne savais pas être dans une relation. Je ne savais pas. Je ne savais pas être dans une relation. Pourquoi encore une fois, dites-vous? Parce que je pensais à l'échec de mon mariage, en me disant que là aussi, je m'étais installée bien confortablement dans cette relation. Et que je n'avais pas su l'entretenir, finalement. Ça, c'est avec le recul où Oui.
j'avais réalisé ça. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai refait la même erreur. Il m'a montré tellement d'attachement que je me suis dit, bah, de toute façon, peut-être que je ne me le suis pas dit aussi clairement, mais en y réfléchissant après, je me suis dit, oui, c'est ce qui s'est passé. Il avait l'air tellement amoureux et tellement attaché à moi que je pouvais prendre mes aises et que je lui montrais que j'avais besoin de me retrouver seule quelquefois. Et c'est un besoin que j'ai eu tout au long de ma vie. Mais je peux comprendre qu'il est difficilement acceptable, ce besoin, pour les autres. Donc je m'en voulais énormément. Je suis allée consulter à mon CMP de quartier parce que il faut que j'essaie de dénouer un peu tout ça. J'avais déjà essayé dans le passé et puis comme dans le passé, ben là j'ai arrêté d'y aller. Je n'arrive pas à aboutir, et ça c'est aussi un petit peu l'histoire de ma vie. J'ai l'impression que je suis très velléitaire et que les choses, finalement, je... Bon. Et là, depuis quelque temps, à présent, nous avons repris contact avec cet ex-compagnon et moi. Oui. Nous nous envoyons des textos. Jusqu'à il y a 15 jours, on s'est revus, on a déjeuné ensemble. Et ma foi, ça a été très agréable. On a parlé comme si on s'était quitté la veille. Alors, on se retrouve sur des choses comme avant, c'est-à-dire sur notre façon de voir les choses. On fait des métiers qui sont proches et donc on a des points de vue qui convergent là-dessus. On a plaisanté sur plein de choses. Et puis finalement, quand il m'a dit à la fin du repas, ben, j'espère qu'on pourra se revoir de cette façon, je lui ai dit, ben non, je crois que c'est qu'il vaut mieux pas qu'on se revoie. J'ai été très définitive dans mes propos et je crois que c'était parce que sans doute que j'attendais plus de cette rencontre et. Parce qu'il faut dire que après notre séparation et tous les mois qui ont passé, j'ai réalisé que j'y tenais vraiment et je me suis dit c'est un petit peu tard pour réaliser ça, mais voilà, malheureusement c'était un fait. Donc avec tous les textos qu'on s'était échangés, qui étaient un petit peu qui pour moi semblaient dire certaines choses, c'est-à-dire qu'il m'envoyait des textos, chose qu'il ne faisait plus évidemment depuis l'automne. Mais même les week-ends ou tard le soir, donc je me disais, bon, c'est peut-être un signe qu'il est tout seul et que... avant que l'on ne se revoie, il m'a dit, ben, j'ai hâte de te revoir, j'ai un petit peu peur, mais j'ai vraiment envie de te revoir. Et finalement, je pense que j'ai été déçue et donc j'ai pris cette posture de dire, c'est même... on ne se revoit plus, voilà, on s'est vu, mais ce n'est plus la peine de se revoir. Et il n'a pas compris, je pense qu'il a dû se dire, mais elle est vraiment étrange. Et depuis, on a recommencé à s'envoyer, à s'échanger des textos qui sont un petit peu étranges. Et on penserait que c'est deux ados qui se cherchent, qui jouent à un jeu. Mais est-ce que ça vous apaise de le revoir? Alors, étrangement, oui. Bon. Le fait de le revoir m'a... Enfin, en tout cas, l'attente m'avait beaucoup apaisée, le fait de savoir que j'allais le revoir, quand je l'ai revu aussi. Mais après, non. Les 2-3 jours qui ont suivi, non. Et puis, depuis qu'on échange à nouveau, oui, ça m'apaise à nouveau. Quand il m'envoie un texto en me disant « mais j'ai envie de te revoir et il ne faut pas que tu en doutes », je me dis, mais qu'est-ce que j'attends et surtout qu'est-ce que j'imagine au fond? Bonne question, oui, parce que finalement vous étiez vous vous sentiez très coupable, vous ne viviez plus depuis que la rupture avait eu lieu, et là au fond cet homme manifeste son désir de vous revoir. Ça se passe bien quand vous vous voyez, alors qu'attendez-vous? Oui, moi je pense que ce que je ressens, c'est comme si, je vous dis, on jouait à un jeu tous les deux, chacun de notre côté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lui
n'ose pas me dire certaines choses. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que l'on se revoie parce qu'on ne pouvait pas dire. Il m'a dit on ne peut pas tout déballer comme ça d'un seul coup, on ne peut pas tout se dire d'un seul coup. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Et j'ai peur de me faire des films, comme on dit. C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'il a, il craint de me dire, tu sais, je suis à nouveau seule, parce qu'il craint ma réaction. Il a peur que je lui dise, oui, mais tant pis, moi, ça me... Mais vous vous parlez, il vous dit, je ne peux pas tout te dire, ou c'est vous qui... Il m'a dit ça, après notre rencontre, on s'est parlé... Vous lui avez demandé pourquoi ? Parce que c'est une façon de dire certaines choses. Pas, en fait. Non, mais d'accord, voilà, mais vous lui avez dit, au fond, pourquoi, qu'est-ce qui te gêne ou qu'est-ce qui te fait peur ? Parce que c'était une façon de... Pourquoi vous n'osez pas, vous aussi, là, il faut enchaîner, parce que sinon, vous allez rester dans le non-dit. Oui, je crois qu'on reste l'un et l'autre. Oui, vous restez dans le non-dit. Ouais. Donc, que vous ayez peur de... Parce que je comprends que vous ayez peur de vous faire des films et vous risquez d'autant plus de vous en faire si vous entretenez le non-dit. C'est le meilleur moyen d'imaginer des choses. Oui. Donc, à un moment, ça veut dire commencer à parler. Alors, vous avez peut-être peur d'entendre des choses qui ne correspondent pas à ce que vous imaginez, à ce que vous espérez. Oui. Mais en même temps, vous pouvez vous appuyer sur quand même les faits, c'est-à-dire que vous vous êtes recontacté. Qui a recontacté l'autre ? Bon, d'ailleurs, peu importe. Oui, ça se perd un peu dans le... Je dirais que c'est moi. Je dirais d'accord. Que c'est moi, mais qui n'a jamais... Mais... C'était il y a plusieurs mois, et lui, tout de suite, a enchaîné. Et oui, il a plaisir... Le contact. Voilà, il a plaisir à vous voir, c'est agréable quand vous vous voyez, enfin, il... vous pouvez peut-être commencer à ce moment-là à parler un petit peu de vous et dire que c'est vraiment agréable de le revoir, sans vous dévoiler complètement. Parce que je comprends que vous n'ayez pas envie de vous dévoiler trop... Et de au fond d'être déçu. Oui. Qu'ils vous disent, écoute, tu non, c'est pas ce que tu crois. J'ai plaisir à te voir, mais au fond, maintenant, moi, l'histoire est derrière nous. On se voit sur un plan amical, mais c'est tout. Oui. Bon, en même temps, justement, le fait de rester dans le non-dit. Le fait de... Bon, je ne veux pas créer chez vous de faux espoirs, mais tendrait à faire penser que ce n'est pas aussi clair que ça, de son côté non plus. Hein, si c'était aussi clair, après tout, il pourrait parler de lui plus librement, au fond, et ne pas avoir peur de parler de lui... ou de vous poser des questions aussi plus directes. C'est-à-dire que si les choses étaient... on a vécu une histoire ensemble, l'histoire s'est arrêtée pour les raisons qui sont les vôtres. Aujourd'hui, nous nous revoyons et nous avons beaucoup de plaisir à nous revoir, mais les choses sont clarifiées, c'est une relation amicale, comme ça peut arriver après une histoire d'amour. On parle assez tranquillement, et toi, tu en es où de ta vie ? Tu as rencontré quelqu'un ? Quand on reste comme ça dans un non-dit, alors soit c'est qu'on sent peut-être, et ça, autre hypothèse, c'est que l'autre n'est peut-être pas très clair, pas tout à fait remis. Oui. Mais dans ce cas-là, on évite peut-être de le voir trop souvent, à moins d'être un peu, un peu pas très clair soi-même à ce moment-là. Et du coup, on fait un peu de mal à l'autre, parce qu'on entretient des espoirs. Ou alors, soi-même, je vous dis, on est dans une relation encore très, très ambiguë et qui n'est pas... Vous voyez, et c'est peut-être là-dedans que vous êtes. Alors, s'il n'y en a pas un qui fait un pas, ça va peut-être se clarifier avec le temps au fur et à mesure, là, puisque vous êtes amené à vous revoir. Il m'a dit en me quittant, la balle est dans ton camp. Et plus tard, moi, lui ai dit, c'est vraiment, je vous dis, on croirait parfois deux ados, je lui ai dit,
finalement, non, je préfère que la balle, que c'est toi qui aies la balle. Enfin, mais... vraiment, c'est pas un moment, je me dis, mais c'est pas vrai, on va aller où comme... Il a pas tort. Il a, enfin, dans, c'est vrai que vous me dites que vous, la relation s'est arrêtée parce que vous n'étiez pas, et vous l'êtes assez reproché, assez disponible. Oui, à ce moment-là, malgré toutes ces manifestations amoureuses, malgré sa présence, malgré vous aviez du mal, vous investissiez beaucoup la relation avec votre fille, vous aviez du mal à vous impliquer dans cette relation. Donc après tout, lui, il n'était pas vraiment heureux dans cette histoire, il s'en va. Donc aujourd'hui, vous vous revoyez, il a raison de vous dire que la balle est dans votre camp. S'il y a quelque chose à reprendre, c'est est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à réinvestir? Ça se comprend. Oui, bien sûr. Oui, c'est moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Je peux me tromper, hein, mais... Oui. Quand il vous dit ça. En tout cas, la balle est dans ton camp, on ne dit pas ça à une amie. Oui, c'est vrai aussi. On ne dit pas ça dans le cadre d'une relation amicale. C'est vrai. Si ça peut, par rapport à ce que, à vos doutes... Parce qu'il me dit d'autres choses où il me les écrit, c'est-à-dire à plusieurs reprises, il m'a dit « tu ne veux décidément pas comprendre, trois petits points, ou alors il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Oui, mais là, je crois que, après, vous pouvez effectivement continuer cet échange en bline et continuer ce marivaudage par texto. Hein, ça, vous êtes libre à vous, hein, ça peut être très agréable. Mais par rapport à votre questionnement, je crois que, ça m'a pas l'air d'être une relation amicale. Et c'est vrai qu'il a interrompu la relation, non pas parce qu'il le souhaitait, mais parce que vous n'étiez pas vraiment tout à fait dedans, la relation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête, vous? Voilà, il vous questionne un peu à ce sujet. Donc, à vous de voir. Je pense. Voilà. Oui, je crois. C'est vrai qu'en en parlant et en écoutant quelqu'un, je pense que c'est ça. Et que c'est à moi de montrer quelque chose. Oui, de montrer où vous en êtes aujourd'hui, plus clairement. Oui. Bon, écoutez, l'avenir est ouvert, largement. À suivre, donc. À suivre, Ombline. À vous de jouer. Je vous remercie, Caroline. Je vous remercie. Bon, je vous en prie. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. On accueille maintenant Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. De vous avoir à nouveau. Alors, on s'était parlé effectivement un soir, fin d'émission, mais vous aviez besoin d'en reparler parce que vous restiez... Des témoignages, si possible aussi, ou des conseils, surtout des conseils, Parce que vous restez... un peu, vous comprenez pas ce qui s'est passé suite à une rupture ou sans explication. Sans explication, et c'est vrai que je comprends pas. Donc... Alors vous pouvez résumer un petit peu votre histoire justement pour. J'ai eu une relation avec un monsieur qui était marié, donc sur quelques mois on va dire, c'était très épisodique. Ça s'est terminé, au bout de 4 mois à peu près, donc il m'a fait comprendre, enfin il me l'a dit là par contre cette fois-ci que c'était terminé, et qu'il n'était pas à l'aise dans cette relation, donc il préférait en rester là, je suis très bien compris, donc voilà, ça c'est... Et on s'est revus un mois après, parce que il voulait me revoir, donc j'ai cédé de nouveau à la tentation. Est-ce que vous n'aviez pas précisé, vous l'aviez dit vraiment, on était en train de conclure l'émission, c'est que vous-même n'êtes pas libre, hein ? Non. Oui, c'est important. Oui. Oui, voilà, on n'est pas libre tous les deux. Oui, parce que vous n'aviez présenté que ce monsieur, lui qui était marié, mais vous-même n'êtes pas libre de votre côté. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Et donc,
J'appelle pas pour être jugée, j'appelle pour... Mais il n'est pas question de jugement, Hélène, mais oui, c'est important voilà, d'avoir toutes les données quand même. Voilà, tout à fait, voilà. Et donc ça c'est... Après donc un relancement de la part de ce monsieur, bon, ben, on s'est vu quelques fois encore après. Et ben là, silence radio après, plus de nouvelles. Et puis, on va dire un mois après, deux mois après, on s'est revu lors d'une soirée. Et puis bon, ben ça, il y a eu un petit coup de cœur de nouveau. Et puis le temps d'une soirée. Et puis là, ben, ça fera 4 mois maintenant, donc silence radio nouveau. Et j'ai envoyé des messages pour qu'on se voit, pour qu'on s'explique, c'est tout. Voilà, je demandais pas grand-chose. Et j'avais eu quand même un message la première fois en me disant, ben, ça va très bien, à plus. Donc j'étais un petit peu étonnée, j'ai trouvé ça très froid comme message et j'ai voulu l'appeler et lui parler et qu'on s'explique et puis voilà, non, pas de nouvelles. Je ne sais pas, je dis mal parce que j'aurais aimé qu'on me dise voilà, c'est terminé, bon, on a fait des bêtises, maintenant on arrête. Voilà quoi. Vous pensez que ça vous aurait fait du bien qu'il vous dise c'est terminé, de l'entendre de sa bouche? Parce que oui, qu'est-ce quel était son message au fond? Ah ben c'était je vais très bien, je demandais ses nouvelles et je vais très bien, à plus tard. Et suite à ça, si vous voulez, j'ai envoyé des messages tous les mois hein, jusqu'à présent. Là, mon dernier message remonte à début avril en lui disant que ben, ça me manque de plus le voir et bonne continuation, je lui marque hein, voilà quoi, et bon, pas de nouvelles hein, et je le croise des fois et puis il me fait un petit signe de la main et voilà, et j'aimerais bien un petit message en me disant voilà, excuse-moi, j'ai pas été correcte avec toi. Alors est-ce qu'il m'appelle pas, il n'a peut-être pas osé me dire parce qu'il veut pas faire du mal, il a vu que je m'étais accrochée à lui aussi. J'ai plein de questions sans réponse dans ma tête. Alors, est-ce qu'il faut que je tourne la... C'est quelqu'un que je connais, hein, donc que je vais être amenée à côtoyer, que je suis amenée à côtoyer. J'ai des sentiments de colère, de haine, hein, pas de haine, mais de... Oui, à de côtoyer colère, dans quel... Amicalement. Il fait partie de votre milieu amical. Voilà. Enfin, un petit... Oui, on ne se voit pas tous les mois, mais... Donc, vous côtoyez sa femme également? Oui. Voilà. Et lui côtoie votre compagnon? Tout à fait. Donc, c'est quelque chose... Oui, qui est compliqué. Qui est compliqué, oui. Bon, bah, c'est fini. Hein. Je suis une grande fille, je peux le comprendre. Hein. Et c'est vrai que c'est peut-être sûrement mieux comme ça. Vous pouvez le comprendre, mais vous ne l'acceptez pas, au fond. Je n'accepte pas le silence. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai accepté pas le silence. Je lui en veux de... Voilà, oui. On me prend, on me jette, voilà, sans explication. Oui. Il n'est pas capable, il n'est pas en mesure de vous donner des explications. Non, 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 voilà. Et c'est vrai, quand je vais le voir, je vais avoir du mal à lui sourire. Oui, vous lui en voulez, bien sûr. Voilà, et j'aurais voulu qu'on me dise, voilà, des témoignages éventuellement. Alors, c'est vrai que moi, la dernière fois, je vous avais dit ce que j'en pensais. Donc, bon... Ce soir, on aura peut-être des réactions. Il y en a déjà une qui arrive par SMS de Corinne qui dit « Ce monsieur manque de galanterie, c'est un mufle », dit Corinne. Moi, je pense qu'il est... Bon, il a pris une décision, effectivement, qui est de couper parce que cette relation était peut-être dangereuse. Il ne voulait pas poursuivre. Il se ressent sur son couple. Il n'a pas le courage d'avoir une explication avec vous. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment clair et qu'à chaque fois que vous vous revoyez, eh bien, finalement, il replongeait. Donc, il ne prend pas ce risque-là. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. Il ne prend pas ce risque. Et je pense qu'il faudrait, vous, que vous arrêtiez d'envoyer des messages parce que ça vous fait plus de mal que de bien et que je comprends que le silence est quelque chose de difficile mais qu'il faudrait que vous arriviez à l'intégrer. Si on a des réactions, Hélène, on les passera après le journal de minuit ou en tout cas je les lirai. Donc je vous propose de rester à l'écoute. Au revoir. D'accord.
Jusqu'à 1h, nous sommes ensemble sur Europe 1 et vous pouvez nous parler de vous en toute liberté en appelant le 39 21. C'est ce qu'a fait Hélène qui a du mal à accepter qu'une relation se termine sans que les mots soient clairement posés par cet homme. Donc elle souhaitait des réactions, certaines arrivent par SMS au 7-21-21 code nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Laure nous dit à Hélène, il semble vous désirer cet homme, mais ne semble pas prêt à s'investir dans une relation sentimentale. Et pour cause, il est marié et Hélène de son côté est également dans une relation. Ce qui complique les choses, c'est que apparemment ils sont tous les deux dans un réseau amical. Jaja dit « J'ai eu la même aventure sans suite, donc il faut rompre ». Alors, rupture il y a eu, et du fait de cet homme hein, d'ailleurs. Le subversif, lui, nous dit « Dans une relation qui s'achève, ce qui blesse au fond, est-ce qu'on ne le dise pas ?» Où est-ce qu'elle s'achève? Ce silence vous fait un prétexte pour vous mentir à vous-même. Et on accueille tout de suite Anne, elle est avec nous au 39-21. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bah, bienvenue. Merci. Oui, alors moi je vous appelle pour un tout autre sujet, mais qui me préoccupe beaucoup depuis quelques mois, je dirais. Oui. Et qui est en fait la relation de mauvaise qualité, on va dire, que j'ai avec ma mère depuis longtemps maintenant, mais qui ne s'arrange pas. Et qui reste toujours la même avec les années qui passent. La maturité qui est arrivée. Enfin, pour moi, c'est très déconcertant. Oui. Et ça l'est d'autant plus que je vis avec mon petit garçon qui a 3 ans et demi. Oui. Et bon, qui est un enfant tout à fait mignon. Et moi, je pensais un peu innocemment que même si, à mon niveau, peut-être il y avait maintenant trop de passifs, entre guillemets, mais qu'avec un jeune enfant, les choses seraient différentes. Enfin, que l'attitude, oui. Le comportement pourrait être modifié. Et, bon, mais je constate que bon, non seulement en ce qui me concerne, donc ça ne change pas, mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment de souhait d'entrer en relation avec cet enfant. Ni de, oui, j'allais vous demander comment est-elle avec son petit-fils. Alors, elle est un peu pareille. C'est-à-dire que bon, si elle le voit pas longtemps, oui. Ça va. Et puis, si on vient un week-end ou quelques jours de vacances, eh bien, la relation se dégrade au fil des jours. En partie, bon, parce que c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il y a beaucoup de principes, des tendances un peu maniaques dans sa manière de vivre, etc. Mmh. Donc, on rentre vite dans un système de remarques, de reproches. Bon, la forme n'est pas très agréable. C'est souvent. Elle vous reproche votre façon de l'éduquer. Elle, voilà, elle a des exemple, principes éducatifs. Oui, qui sont plutôt à l'ancienne, on va dire. Oui. Bon,
assez, puis assez strict. Puis c'est aussi la forme, c'est la manière de dire les choses, de oui. Qu'on comprend dans la figure. C'est au bout d'un moment, c'est vraiment pénible, que ce soit parce qu'il a amené des jouets dans le salon et puis ils ne sont pas encore rangés, que il est à table avec nous, mais il ne faut pas qu'il y reste, etc., etc. Enfin, c'est tout est asséné comme ça, l'un après l'autre. Et c'est vrai que bon, moi, au bout d'un moment, je suis... je reviens à cette relation d'adolescente où finalement, je finis par être une incapable, bonne à rien, qui comprend rien, qui ne fait pas ce qu'on lui dit alors qu'on lui a déjà répété 4 fois. Oui. Voilà. Vous vous sentez infantilisée toujours face à elle. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, bon, c'est... Il n'y a pas moyen de se parler sans que ça tourne au vinaigre, sans que ça, ça prenne... Alors en fait, bon, tout ça, je l'ai constaté, en particulier bon, l'été dernier, ça n'a pas été vraiment très très agréable. Donc après, j'ai essayé de lui en parler, enfin même, je lui en ai parlé, je dis voilà, moi je ne reviendrai pas si ça continue à se passer comme ça. Donc j'ai donné des exemples concrets, aussi bien sur ce qu'elle exigeait que sur la manière de parler, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la forme. Oui, bon, je pourrais comprendre que quelqu'un qui a absolument besoin que tel truc soit rangé à tel endroit le dise gentiment, mais... Bon, déjà, je trouverais ça, parce que moi, je suis pas comme ça, donc je trouvais ça un peu curieux, mais bon. Mais c'est agressif, elle vous le dit, durement, et en sous-entendant que, bon, bah, je devrais le savoir, et puis que c'est évident, alors que je suis vraiment une... Mm-hmm. Bon, vraiment l'imbécile de service, quoi. Et, alors bon, la question, justement, c'est pourquoi je persiste à cohabiter comme ça, ben ouais, c'est vrai, c'est la question que je me pose. Et pourquoi ça vous affecte autant encore? En même temps, je vous pose cette question et je comprends, c'est pas n'importe qui vous le dit, hein, c'est votre mère. Voilà, c'est votre mère et ça touche, votre fils et ça vous renvoie, comme vous dites, vous vous sentez encore comme si vous étiez adolescente. Oui, voilà, comme si rien donc, n'avait évolué. Rien, or, oui, c'est ça. Bon, moi, en ce qui me concerne, bon, parce que j'avais bon, c'est cette difficulté-là réglée et puis d'autres, j'ai fait le pas d'aller voir un praticien avec lequel, enfin laquelle je me suis très bien entendue et donc j'ai vu régulièrement pendant plusieurs années avec bon, des périodes où j'y allais moins, des périodes où j'y allais plus. Donc c'est vrai que là aussi, peut-être naïvement, le fait d'avoir fait cette démarche, je pensais que moi j'allais trouver les ressources nécessaires pour améliorer les choses. Or, cette personne, au bout donc de vraiment un temps assez long de séances de pratique avec elle, avait fini par m'expliquer que bah, il fallait absolument que j'arrive à faire en quelque sorte le deuil de l'image que je m'étais faite de mes parents. Oui. Et ça, j'ai eu vraiment du mal, enfin bon, je pense qu'elle s'en doutait un peu, enfin, j'ai dû vraiment beaucoup réfléchir à ça, ça m'a fait vraiment, enfin, ça a été vraiment difficile pour moi, et là, je suis en train de me rendre compte que, ben, en effet, c'est peut-être pas seulement avec le papa, mais c'est peut-être aussi, malgré tout, avec la maman, parce que bon, concernant mon père, entre guillemets, c'est plus facile, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très distant. Vraiment avec nous, un comportement violent, etc. Enfin, bon, quelqu'un bon, qui a, ne parvenait pas à se sortir d'un alcoolisme plus ou moins mondain, etc. Et qui, un beau jour, a décidé de couper. Et, mes parents se sont séparés. À partir de là, il n'a plus donné aucun signe de vie, ni adresse, ni quoi que ce soit. Et il arrivait qu'on ait des nouvelles par personne interposée. Donc c'est vrai que dans une situation comme ça, par force, on finit par bon, par vivre cet événement et puis par le comprendre. Mais là,
quelqu'un qui vous téléphone, demande alors quand est-ce que vous allez venir, etc. Enfin, moi, c'est vrai, je oui, suis démunie. Elle est en attente. Elle est en attente en même temps. Elle, oui, voilà, il y a ça. Elle, oui. elle manifeste le désir de vous voir. Oui, et puis, elle prend des nouvelles. Elle est, voilà. Oui. Oui, c'est plus fort qu'elle. Hein, c'est plus fort qu'elle. Oui, voilà. Oui, c'est alors, l'autre aspect aussi de sa personnalité, mais que j'ai compris plus tard, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément besoin de vivre à l'extérieur pour se réaliser, mm-hmm. Qui a vraiment besoin, je pense, de renforcement, de montrer que elle sait se valoriser, se mettre en valeur. Alors, bon, il y a eu une période professionnelle, donc après, ou enfin en parallèle de la séparation et jusqu'à sa retraite. Et maintenant, c'est à fond, les associations, ici et ça. Donc c'est vraiment très important. Mais quand on était enfant et ado à la maison, c'était un peu pareil. Et souvent, on était le soir tout seul, parce qu'on avait... le papa qui était en déplacement professionnel prolongé et donc la maman qui était à faire différentes choses dans différentes associations. Donc c'est vrai que je pense que c'est quand même quelqu'un qui cherche à avoir une distance et du coup bon, comme moi en plus vient se greffer le fait que bon, on s'entend pas, quoi. Faut dire les choses clairement. Mais c'est d'autant plus difficile quand justement il y a eu cette relation compliquée, comme vous dites, plein avec un passif, hein, Oui, voilà. Et que du coup, bah, forcément, ça se répercute sur la génération suivante où, voilà, où au fond elle est encore à ne pas vouloir se départir de son rôle de mère. Pour être dans un rôle de grand-mère et qu'elle est toujours dans ce rôle de dire voilà ce qu'il faut faire, alors que vous-même, bah, vous auriez tant de choses à dire, au fond, oui, sur la relation que vous avez avec elle. Voilà. Alors, vous n'y allez pas maintenant pour régler vos comptes. Et il y a des parents qui, bon, ont eu des relations compliquées avec leurs enfants, mais qui se révèlent de très bons grands-parents. Voilà. Mais là, ouais. Elle ne lâche pas. Elle est toujours dans cette relation où, comme vous dites, elle a certainement besoin de se valoriser, hein, de dire bon, voilà, j'existe, je voilà ce qu'il faut, comment voilà, faire, je sais comment. Des choses, je maîtrise. Je maîtrise. Elle est dans le contrôle. Bon, oui, peut-être quand vous y allez, vous y allez seule avec votre fils. Vous y... Oui, alors bon, bah, vous parlez pas du papa de votre fils. Non, alors là, bon, c'est vrai que ma situation va peut-être paraître, mais bon, je pense pas que ça soit si exceptionnel que ça. Oui. Mon petit garçon, je l'ai adopté il y a d'accord. plus de 3 ans maintenant. Oui, d'accord. Voilà. Hein, donc j'ai fait cette démarche seule, enfin, oui. donc, femme seule. Oui. Et, oui. Et bien sûr, bon, il a des parents biologiques, mais qu'on ne d'accord. connaît pas. Voilà. Oui. Oui. Et bon, pour le moment, tout se passe bien. Enfin, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais d'accord. c'est vrai que du coup, oui, donc vous êtes, vous n'êtes pas protégée par la présence d'un tiers par rapport. Non, vous voilà, vous retrouvez en tête à tête aussi, puisqu'il n'y a pas votre père. Vous êtes vraiment en tête à tête avec votre mère. C'est ça. Et comme je n'ai pas de compagnon, de mari, je pense qu'elle s'autorise davantage. Certainement. De piques et de remarques. Certainement. Oui, oui. Ferait autrement, ou alors bon, ça serait tournerait tellement au clash que de toute façon. On ne viendrait pas du tout. Oui. Oui. Là, et vous avez des frères et sœurs ? Oui, oui. Alors justement, j'ai un frère aîné et 2 sœurs, plus jeunes. Oui. Et bon, globalement, mais bon, c'est toujours l'impression qu'on peut avoir que ça se passe mieux avec eux. Mais bon, ça se passe aussi quand même avec des petits conflits, avec bon, mais enfin, il n'y a pas cette espèce de rupture qui est installée en quelque sorte et qui autorise aussi ce comportement. Parfois, bon, j'ai un peu l'impression que voilà, je lui permets de se défouler un peu, comme elle devait faire, et je me rendais pas compte quand j'étais ado, mais où je répondais. Alors là, je me laissais pas faire, alors que bon, maintenant, évidemment. J'ai mûri, je prends les choses un peu différemment. Et voilà, mais alors ce qui s'est passé, donc l'été dernier, ça a été vraiment très pénible. Donc j'ai beaucoup réfléchi après. Il se trouve que j'étais dans une période
de recherche de job. Donc c'était pas facile, ça arrangeait pas. Et à mon retour à la maison, j'ai pris contact avec le café des parents de proche de mon domicile. Ils m'ont conseillé d'aller prendre rendez-vous, bon, etc. Et là, bon, j'ai expliqué un peu ce que j'avais sur le cœur. Et bon, la personne que j'ai rencontrée, bon, enfin, estimait que je me faisais pas de fille, elle me dit que j'exagérais, ni voilà. Mais m'a proposé de me mettre en contact avec des praticiens un peu expérimentés sur ces questions-là, etc. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, déjà, matériellement parlant, enfin, au niveau organisation, je peux difficilement faire ce type de démarche régulièrement. Et puis, je trouvais que j'avais déjà beaucoup exploré, justement, en allant... Alors, que pourquoi c'était à moi d'aller encore consulter, encore faire des séances de thérapie, etc. Alors que, bon, j'avais vraiment l'impression de me trouver face à quelqu'un qui, bon, maintenant, ne changera plus. Et que c'était... Enfin, qu'il valait mieux que j'essaie de trouver un moyen de gérer ça, mais c'est pas facile. Et alors après, il s'est passé une chose, mais vraiment extrêmement pénible, et là j'ai perdu tous mes moyens, c'est que j'ai mis un peu de temps à retrouver un boulot, enfin, oui. Voilà, plus que je ne pensais, et donc j'ai démarré un nouveau job courant décembre. Mmh. Et il s'est trouvé une coïncidence, c'est que les quelques jours qui ont précédé ce démarrage, mon fils a été vraiment très malade, beaucoup plus qu'habituellement, avec des pointes de fièvre, un état général qui n'était pas bon, etc. Et qui a continué au cours de la semaine de démarrage. Donc pendant le week-end, j'ai lancé un SOS familial. Et donc ma mère m'a appelée pour voir ce qu'il y avait, m'a dit bon, je peux venir, parce que bon, je lui disais que je prenais en charge ses frais de déplacement puisqu'elle est en province, etc. Et elle m'a dit bon, je peux venir à partir de tel jour. Et finalement, la veille, elle m'a annoncé qu'elle avait des examens médicaux à faire et d'autres choses, je n'ai pas su quoi exactement, mais sans doute en rapport avec ses activités, et que donc elle ne pouvait pas venir. Donc je me suis retrouvée, déjà j'étais vraiment très très stressée, par ce démarrage de job. Bien sûr, je comprends, et par le fait que votre petit garçon était malade, beaucoup. Ça. Vraiment, il était dans un état général pas habituel. Et moi, à la fois, je culpabilisais parce que je le voyais comme ça, et que du jour au lendemain, j'ai téléphoné partout. Manque de peau, j'ai trouvé personne disponible. C'était, et comment ça s'est passé alors ? Manque de chance. Alors, ça s'est passé pas très bien, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment perdu tous mes moyens. Oui. Donc, c'était pas bien parce que je venais sur ce lieu de travail, j'étais vraiment angoissée, etc. Et surtout, j'ai pas pu prendre de recul en me disant, bon, ben voilà, c'est bien, j'ai commencé cette mission, j'ai fait une partie de la semaine, ils m'ont vu, ils savent qui je suis, ils savent que je suis là. Oui. Bon, ben maintenant, vendredi, cas de force majeure, je reste à la maison. Et j'ai pas fait ça, je l'ai emmené à l'école alors qu'il pleurait, qu'il était pas bien, etc. Moi j'étais vraiment, vraiment décomposée et voilà, donc j'ai vécu cette semaine de cette manière-là. Et donc avec quelqu'un qui m'a dit je ne viens pas, et qui finalement s'en est tiré en me disant oui, mais il y a des associations pour faire garder les enfants. Voilà, c'est-à-dire que des associations, en l'occurrence, un enfant qui est malade, je vois pas, c'est pas une association qui vous le prend, c'est pas vrai. Il y a des associations de babysitting, mais en l'occurrence, trouver une babysitter, c'est pas facile de confier son enfant à une babysitter qu'on ne connaît pas comme ça, et dans l'urgence, c'est surtout un enfant qui est malade en plus. Voilà. Mais vous, si vous voulez, vous avez ce point de vue-là. Mais là, je suis en face, c'est là où j'ai vraiment pris conscience de tout ça, je suis en face de quelqu'un qui a un autre schéma, pour qui ça aurait été complètement normal de trouver quelqu'un inconnu
n'étant jamais venu à la maison, n'ayant jamais rencontré personne, ni moi, ni Oui, mais est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous vous êtes autorisé à lui dire, là, Anne, sans être forcément agressive, de lui dire, écoute, confier déjà une babysitter en temps normal, c'est pas très évident, une babysitter qu'on ne connaît pas, parce que, bon, mais en plus, confier un enfant malade à une baby-sitter qu'il ne connaît pas, c'est tout sauf simple. Voilà. Alors, à ce moment-là... Vous pouvez le dire, ça. Moi, c'est ce que je lui ai dit, parce que c'est ce qui m'avait été conseillé lorsque j'avais fait cette thérapie, c'était de dire ce que je pensais, même si en face, il n'y avait pas de récepteur. Peu importe, vous le dites. Je l'ai dit, mais je reste en face d'un mur qui me répète, et là qui sort ces grands principes lesquels un enfant doit obéir, doit supporter, rien à dire. Oui, oui, mais écoutez... Et voilà. Elle devrait regarder, il y a un excellent documentaire, je ne devrais pas le dire, mais ce soir sur infrarouge, sur justement l'évolution, c'est plus sur le nouveau-né, mais sur l'évolution au cours d'un siècle, en 100 ans, comment on a perçu les nouveau-nés. Il y a beaucoup de choses. Parce que là, on n'est pas dans l'obéissance de l'enfant, parce que ses grands principes, ça rassure, elle se raccroche à ça. Oui, vous la laissez, mais vous avez le droit, parce qu'on sent que... Vous avez d'ailleurs une voix très, très douce, très posée. On sent que, d'ailleurs, ça devrait rassurer bien des parents que des ados rebelles peuvent faire des adultes après souvent très agréables pour leurs parents. On sent que vous voulez ménager finalement au fond aujourd'hui votre mère et que vous ne cherchez pas le conflit. Alors, vous avez raison, il ne s'agit pas de chercher le conflit pour chercher le conflit de façon stérile. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout accepter. Non, alors justement, moi je n'ai pas accepté dans le sens où je lui ai dit que pour moi c'était vraiment impossible pour un enfant si jeune de le mettre en face de quelqu'un. Surtout compte tenu de son histoire, compte tenu aussi du fait que il n'est pas bien du tout. Voilà. Et on ne confie pas un enfant malade à quelqu'un qu'on connaît qui ne le connaît pas, qui ne sera pas forcément. Quoi faire, ça va être un désastre. Oui, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de... C'est tout le week-end, plus... Oui, et puis vous rassure de savoir que qu'il est entre les mains de quelqu'un qui le connaît, que lui est en confiance, vous aurait rassuré. Oui, exactement. Et alors, donc là, je suis vraiment restée face je comprends. Une opposition de deux points de vue complètes. Alors, l'été précédent, où j'essayais, moi, de lui expliquer des choses, pourquoi on faisait plutôt les choses comme ça, et qu'on avait réfléchi, qu'il y avait de nouvelles méthodes pour, dans les crèches, donc on faisait comme ça. Et au bout d'un moment, elle m'a demandé comment je pouvais être certaine que ces nouvelles méthodes étaient meilleures. Bon, donc là, c'est facile. J'ai pris, pour exemple, les méthodes d'apprentissage des langues. Enfin bon, on peut trouver tout un tas de choses qui, évidemment, on n'est pas sur un sujet aussi sensible. Mais je dis oui, il y a des choses, on évolue, professionnellement aussi, puisque ça, pour elle, c'est très important. Il y a aussi des nouvelles méthodes de communication, de management. On ne les met pas de côté, on s'y intéresse. Mais là, elle ne comprend pas qu'on puisse avoir cette démarche vis-à-vis d'un enfant. Dépensez beaucoup d'énergie. C'est en même temps, je comprends votre démarche, Anne. Je la trouve très constructive, plutôt que de dire c'est comme ça. Justement, vous avez développé tout l'inverse, vous. C'est-à-dire que votre mère a des principes. Ah oui. C'est d'ailleurs, on voit à quel point. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui le dit, qui envoie un petit message. En disant, justement, c'est Nico du 88 qui dit vous ne reproduisez absolument pas la relation que vous avez eue avec votre mère, avec votre fils. C'est très encourageant. De voir ça aussi. Certainement. Et on voit bien que, justement, vous n'assénez pas des principes, des vérités.
Vous expliquez, même à votre mère, hein, vous dites, et elle en joue. Ah oui, et pourquoi c'est meilleur? Alors c'est un peu le nom de quoi? Est-ce que c'est un peu le principe dans ce reportage sur infrarouge? Je le dis pour Georges, c'est infrarouge, c'est le nom du documentaire. C'est sur France 2, sinon. Hein. Il s'agit pas de dire qu'aujourd'hui les bébés ils sont mieux qu'avant. On ne sait pas. Avant le nouveau-né, il était considéré comme un tube digestif. Hein. Oui, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, on sait que c'est pas, et ça se résume pas à un tube digestif qui ressent déjà beaucoup de choses et tout. Bon, alors après, de toute façon, quelqu'un qui ne veut pas entendre, vous ne le convaincrez pas. Non, je crois que dire, écoute, moi, je fais aussi comme je ressens les choses. Toi, tu as ta perception des choses. Moi, j'ai une perception différente. Et ne pas vous épuiser, parce que ça vous épuise aussi beaucoup. Et derrière tout ça, c'est comme si vous aviez au fond à lui prouver que vous êtes une mère et une mère suffisamment bonne et forcément c'est quelque chose de particulièrement difficile pour vous. C'est pas déjà les femmes ont tendance à devoir faire ça avec avec leur entourage, avec même des étrangers, mais alors quand c'est vis-à-vis de leur propre mère, ça prend une dimension très particulière. Voilà. Or, ce qui est compliqué, c'est que vous-même, en tant que mère, vous dites que y a des choses qui ont été compliquées pour vous en tant que fille. Donc, écoutez, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ne vous épuisez pas. Il y a le subversif qui cite justement Mélanie Klein, hein, grande psychanalyste pour les tout petits, et qui dit soyez une bonne mère pour vous et renoncez ainsi à mériter ce titre aux yeux de qui que ce soit d'autre, y compris aux yeux de votre propre mère. Et finalement, par rapport à votre mère, j'ai envie de dire, si à chaque fois que vous y allez, ça doit tourner un peu comme ça, au conflit, vous y allez un peu moins souvent, parce que quand elle vous dit quand est-ce que tu viens et tout, vous pouvez dire écoute maman, moi j'aimerais bien venir, j'aimerais bien venir et passer des moments agréables et qu'on passe des moments ensemble avec le petit, mais finalement à chaque fois je repars, quand je suis sur place, je repars, je suis frustrée, je me sens pas bien parce que à chaque fois J'ai des réflexions désagréables et tout. Donc, je te l'ai dit déjà, j'ai moins de plaisir à venir. Et je trouve ça très décevant. Je suis déçue de ça. Et vous pouvez le dire sans agressivité, parce qu'elle peut y réfléchir à tout ça. Parce qu'au fond, elle a envie de vous voir. Ou alors, vous avez un frère, une sœur, vous y allez aussi quand ils sont là. C'est-à-dire que vous ne soyez pas que dans ce tête-à-tête avec elle. Mais ça, j'ai testé. Alors justement, ça me rassure, parce que j'étais dans l'idée de prendre cette décision-là, c'est-à-dire de mettre de la distance et de ne pas, pas y aller, de ne pas rester plusieurs jours. Enfin, un petit peu moins, en tout cas, ou réduire le temps des séjours. Voilà. Alors, c'est vrai que, du coup, je me posais la question vis-à-vis de mon petit garçon, parce que, c'est aussi une coupure. Oui, je comprends. Famille, mais c'est ça, c'est une responsabilité que moi, je prendrais. Et qui, je ne parle pas de coupure, de peut-être réduire un peu le temps des séjours, ou de... d'y aller. Vous voyez, faire en sorte, vous avez remarqué que ça tourne un peu au vinaigre si vous restez un certain temps. Vous réduisez un peu le temps, vous y allez quand votre frère ou votre sœur y est. Enfin, ne change rien. J'ai testé ça. Ça ne change rien. Bon, alors il faut que vous arriviez à prendre un peu de distance avec votre mère. Là, c'est mon droit, en fait. Complètement. Oui. Complètement. C'est ce que dit Prune. Hein. Détachez-vous un peu de votre mère et de ses propos. Et vous verrez que quand vous réagirez moins, vous allez laisser couler. Au départ, ça va être difficile, parce que vous avez envie, en répondant, c'est au fond d'être reconnue, d'être enfin qu'elle puisse entendre. Vous laissez glisser. Ou vous sortez de la pièce, vous allez jouer avec votre petit garçon, vous sortez, vous allez un peu, vous prenez l'air. Vous allez voir qu'à un moment, elle verra que ça porte moins. Ça va prendre du temps. Parce que comme vous dites, vous ne la changerez pas maintenant, radicalement dans le fond. Mais quand elle verra qu'elle a moins de prise sur vous, elle lâchera du lest. Là, elle sent qu'elle a encore beaucoup d'emprise. Donc, sortez un peu, donnez-lui moins de pouvoir. Hein ? Oui, vous aussi, vous êtes une mère maintenant. Oui, voilà. Mais c'est vrai.
vrai que quand je lui ai parlé très franchement et sans m'énerver ni rien, après les vacances d'été, elle a pris son air habituel, genre un peu comme ça, comme si elle comprenait pas. Je me dis, ah oui, c'est vrai que des fois j'ai un peu l'impression que je dis pas toujours des choses gentilles, mais, eh ben voilà. mais je m'en rends pas compte. Oui, ben vous faites en sorte qu'elle s'en rende compte et vous lui dites, c'est vraiment pas gentil ce que tu me dis, ça me blesse, ça me blesse. Vous lui dites pas plus, ça me blesse. C'est pas gentil, ça me blesse. Voilà, et vous dites... Et puis si elle cherche à polémiquer, non, c'est tout. Vous lui faites remarquer, hein. Vous n'encaissez pas comme ça, vous le dites. Et pour conclure, il y a Ava qui dit « Les rapports de force avec les parents sont forcément douloureux. Son statut de maman ne l'empêche pas de vouloir garder le pouvoir. Sortez de son emprise. Et imposez-vous en disant non. » Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore de votre accueil. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Caroline Dublanche, 39-21, 34 centimes la minute. Allez, on va accueillir maintenant Liliane. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Liliane. Oui, bonsoir. Je vous écoute Liliane. Oui. Eh bien écoutez, je vous ai dit que je me suis mariée sans aimer mon mari. Ah bon ? Parce que il était parti 10 mois en Afrique. Mmh. Parce que bon, il voulait être reporter, voilà. Maintenant, il est proviseur, bon, ça n'a rien à voir. Il n'a jamais été reporter, alors ? Non, jamais. Ah oui. La vie en a décidé autrement. Oui. Et puis, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Mais moi, je ne l'ai jamais aimé. Parce que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre quand il est revenu après 8 mois. Vous ne l'aviez pas suivi en Afrique ? Ah non, non, non. Il était parti tout seul. Vous n'aviez pas envie d'y aller en Afrique ? Oh bah si, mais j'y suis allée depuis. Hein. Oui. Et alors, pendant son séjour en Afrique, vous aviez rencontré un autre homme ? Voilà, dont j'étais éperdument amoureuse. Ah oui. Et lui aussi. Oui. Et je n'ai pas eu le courage de ne pas me marier. Oui, de vous séparer. Voilà. Oui. Parce que vous étiez déjà mariée. Non, 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 non. Ah, oui, mais j'ai pas compris, moi. Je croyais que quand il est parti en Afrique, votre mari, je croyais que vous étiez mariée. Non, vous n'étiez pas. Nous n'étions pas encore mariés. Bah alors, Liliane, pourquoi vous êtes mariée avec celui que vous n'aimiez pas voilà, c'est la question que je me pose. Bah oui. Bah oui. Bon, enfin, maintenant, il est plus temps de se la poser. Ben, c'est difficile maintenant, oui. Parce que c'était il y a combien de temps, ça ? Ben, il y a 30 ans. Ben oui, donc, bon. Il y a prescription, quoi. Ben, un petit peu. Toujours malheureuse pour ça. Malheureuse par rapport à quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes... À ce garçon que j'avais rencontré. Ah. Mais vous avez des nouvelles de ce garçon rencontré ? Eh bien non, justement, je n'arrive pas à le joindre parce que j'aurais aimé lui expliquer. Je ne sais plus où il est à Paris, je sais, mais je n'arrive, je ne sais pas où. Mais oui, mais 30 ans après, Liliane... Oui, c'est difficile. Mais alors, pourquoi vous avez épousé finalement cet homme que vous n'aimiez pas ? Voilà. Ben parce que je lui avais fait promesse de l'attendre et de l'épouser. Mais je l'ai attendu, c'est vrai. Mais je l'ai trompé, en fait. Pas vraiment, mais... Oh. Pas vraiment, en j'ai plus. J'ai connu quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup plus. Mais pourquoi ça revient sur, sur le tapis, maintenant ? Oui, mais pourquoi 30 ans plus tard, ça revient, maintenant ? Parce que c'est, je n'ai jamais oublié. Oui, mais je crois que vous avez dit au standard aussi, vous posez la question de devez-vous dire à votre mari que si... Oui, voilà. Est-ce que je dois lui dire ? Lui dire, c'est que vous ne l'avez jamais aimé, c'est voilà. Ça ? Parce que lui, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps. Donc, moi, je me suis dit, eh ben moi, je peux peut-être lui dire que je ne l'ai jamais aimé. C'est pas la même chose, hein ? Non. Vous voyez, entre... Bon...
entre dire je ne t'aime plus, mes sentiments ont évolué, oui, voilà, et dire je ne t'ai jamais aimé, voilà. Ça veut dire que finalement, dès le départ, oui, l'union reposait sur... J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Oh, peut-être que Liliane, en ce moment, vous voyez ça comme ça, mais vous n'avez pas... Est-ce que vous avez été malheureuse avec cet homme ? Non, parce que il est... C'est un homme très intelligent, qui me comprend, parce que je ne suis pas toujours facile. Je suis un peu bipolaire. Mais je ne l'ai jamais aimé. Et ça, je n'ose pas lui dire. Et parce que lui, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps. Alors moi, j'aurais voulu lui répondre que moi, oui, je ne l'avais jamais aimé. Oui, mais c'était peut-être un peu par vengeance, parce que ça n'a pas dû... C'est pas agréable qu'il vous dise ça. Non, c'était vrai. Oui, oui, ça je comprends, mais c'est en réponse aussi au fait qu'il vous dise qu'il ne vous aimait plus. C'est pas agréable d'entendre ça. Eh bien non. Hein ? Bon, il a peut-être dit à un moment aussi où il était en colère après vous. Oh non, il est très franc et très direct. Voilà, donc ça c'est sûr. Bon. Mais alors, si finalement, qu'est-ce que vous envisagez, vous deux ? Parce que si lui ne vous aime plus, oui, ça c'est sûr. Vous ne l'avez jamais aimé. Non. Alors, est-ce que je dois lui dire ? Non, mais finalement, la question, est-ce qu'elle est vraiment là ou est-ce qu'elle est qu'est-ce que vous faites ensemble ? Parce qu'au fond, voilà, c'est peut-être oui, ça la question. Oui, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Voilà. Parce que, bon, après tout, vous pouvez continuer à rester ensemble en bonne intelligence, en c'est menant votre fait vie chacun de votre côté. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faisiez. Voilà, c'est ce, que, oui, c'est ce qui arrive hein, parfois dans certains couples. Vous avez oui, quel âge l'un et l'autre ? Oh ben, il a 3 ans de moins que moi, il a 62 ans. Oui. Et je viens d'en avoir... Mais t'es jeune encore. 65. 65, vous. Mmh. Oui. Bon, alors avec l'espérance de vie actuellement, oui, ça peut faire encore pas mal d'années à vivre comme eh ben ça. Oui, voilà. Et oui. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez, je ne sais pas, la possibilité de subvenir à vos moyens ? Vous avez une non, retraite ? Et non, je n'ai jamais travaillé. Nous avons toujours oui, été à l'étranger. Nous avons d'accord, été 10 ans en Côte d'Ivoire, 3 ans en Niger, 4 ans... 6 ans en Inde. Ah, vous avez eu une vie quand même. Ah oui. Ça, c'est formidable, hein, d'avoir voyagé comme ça. Tout à fait, j'ai une vie formidable. Oui, une vie quand même très, très remplie, très riche. C'est oui, pas donné à tout riche, le monde hein, de voyager fait, comme ça. Oui. Oui. Oui, peut-être qu'avec cet homme-là, dont vous avez été éperdument amoureuse pendant oui, 8 mois, vous n'auriez pas eu une vie aussi intense, parce que vous non, en gardez un souvenir, bon, peut-être très idéalisé, hein, 30 oui, ans plus tard, fait, mais oui, après tout, vous savez, vous ne savez pas ce qu'il en serait, non, au fond. Non, je ne sais pas du tout. Hmm. Alors qu'avec mon mari, je sais où je vais, quoi. Et oui, c'est ça, finalement. Oui, voilà. Donc, Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce que finalement, même oh, si... Il est bon, adorable. Il est adorable, oui, avec vous. Il n'aime plus, mais il est adorable. Oui, donc ça c'est important, hein. Vous oui, nous donnez quand même une précision de taille là. Oui, non, mais parce que voyez, il pourrait bon s'il vous dit ne plus vous aimer et qu'il soit infect avec vous, bon. Non. Mais il est adorable. Il est adorable, oui. Donc il est attentionné, il est vraiment. Oui, tout à fait. Oui, donc la vie avec lui est agréable. Oui. Oui, alors ça compte hein, quand même. Oui, hein, bien sûr. Parce que finalement, donc c'est pour ça. Au fond, est-ce que vous envisagez de le quitter ? Oh non, je ne peux pas. Non. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé parce que nous avons beaucoup voyagé. Mmh. 10 ans en Côte d'Ivoire, 4 ans au Niger, 6 ans en Inde. Oui, donc finalement... Je n'ai jamais travaillé. Oui. Enfin, j'ai travaillé 10 ans en France en tant que...
J'étais dans l'informatique. Au début de l'informatique, je faisais de la formation de personnel. Oui. Sinon, je n'ai plus travaillé, bien sûr. Oui. Oui. J'avais du personnel. En Inde, on avait 5 ou 6 personnes à notre service. Enfin, oui. Bon, voilà. La vie, c'était une belle vie. Hein. Bon. Donc, vous imaginez encore vivre comme ça avec lui ? J'ai du mal. Parce que je ne peux pas faire autrement. Et pourtant, vous me dites qu'il est adorable. Oui, il fait comme s'il ne m'avait jamais rien dit. Mais pourquoi voulez-vous lui dire, au fond, que vous ne l'avez jamais aimé ? Je ne sais pas. Parce que ça ne va pas améliorer vos relations. Ah ben non, c'est ça. C'est pour ça que je vous appelle. Parce que franchement, c'est assez agressif de dire ça. Oui. Bon, je suis d'accord avec vous, lui, de dire qu'il ne vous aime plus, c'est pas bien non plus. Bah, enfin, de toute façon, ça m'était égal, parce que moi, je ne l'ai jamais aimé. Non, mais ça, j'ai compris. Mais oui, là, on tourne un peu en rond. Oui, c'est vrai. Après, je l'aime à mourir de Francis Cabrel, franchement. Hein. Qu'est-ce que vous nous faites, la Liliane? Hein, on va écrire une nouvelle chanson avec vous. Je ne t'aime plus et moi, je ne t'ai jamais aimé. Je t'aime moi non plus. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est un peu ça, vous. Hein. C'est un petit peu ça, vous. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui prétendent... Il y a tellement de gens qui prétendent s'aimer et qui se rendent une vie infernale. Oui. Et qui sont terribles l'un envers l'autre, que parfois, tiens, il faut peut-être se dire, il vaut peut-être mieux se dire, je t'aime plus et moi je t'ai jamais aimé, mais au fond, être adorable l'un envers l'autre. Oui, tout à fait. Hein? Bon. Donc, écoutez, ça mérite d'y réfléchir. Oui, ça mérite de réfléchir. Ça mérite d'y réfléchir, je pense, Liliane. Je ne peux pas le quitter. Je n'ai pas travaillé, moi, durant toutes les années où nous avons voyagé. Donc, j'ai qu'une toute petite retraite de rien du tout. Il me dit, ça te paiera tes cigarettes, voilà. Oui, vous vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Vous vous connaissez bien. Bon, je crois que... Vous savez, après l'amour, il y a tellement de formes d'amour. C'est peut-être effectivement, par rapport à il y a 30 ans, cet amour où on mêle le désir, la passion. Mais moi, j'entends quand même dans les mots qu'il vous dit et dans ce que vous me dites de lui, qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous et il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a de la tendresse, hein, oui. Ouais, il y a quelqu'un d'ailleurs qui envoie un message là par SMS qui dit moi, il vous aime, il y a moins de désir, c'est normal au bout de 30 ans de mariage et il est au fond assez maladroit. Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui dit l'homme que vous avez aimé il y a 30 ans n'est sûrement plus libre. Vous avez eu la belle vie avec votre mari, vous n'êtes pas parti. Bon. Écoutez, je crois que... On arrête là, quoi. Je pense. Hein? Merci Liliane, en tout cas, de votre appel. Écoutez, vous êtes vraiment charmante. Mais merci. Et merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir Liliane. Caroline Dublanche sur Europe 1. Et puis un petit mail encore pour Hélène qui se posait des questions. Tout à l'heure, par rapport à cet homme qui avait rompu sans explication, Michel Le, une femme, qui dit « Je vis la même chose qu'Hélène après 2 années d'une relation très épanouissante avec un homme marié. Moi, je suis libre. Cet homme a coupé les ponts pour se protéger, je pense. Il faut passer à autre chose, Hélène. C'est tout », dit Michel.